et de la musique et du rythme, il y en a déjà pour accueillir les nombreux supporters qui viennent de pays africains, mais aussi du reste du monde pour assister aux différents matchs, mais aussi pour profiter des sites touristiques qu'offre la Côte d'Ivoire. À peine arrivé dans le pays, que les amoureux du football expriment déjà leur enthousiasme. Nikema Moussa, Joseph Zekré. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À peine arrivé sur le territoire ivoirien, que les visiteurs sont aussitôt plongés dans l'ambiance de la CAN. Esther et Marina, togolaises et chinoises, sont venues pour la Coupe d'Afrique des Nations et comptent bien en profiter. It's a very beautiful country. I love it. Merci. Merci. Je préfère être dans l'ambiance, aller au terrain et tout. Et Mbimpe, plateau, Yam Sokro San Pedro. On s'apprête à venir pour voir ce que vous allez faire. On va pas arriver et puis bon, vous n'allez pas sortir d'en face de poule. Hein. Raël est journaliste suisse. Elle vient couvrir l'événement et bien sûr, visiter le pays. Je vais faire des reportages sur les joueurs d'ici qui jouent dans la Ligue suisse. Je vais voir les matchs. J'espère que je peux voir le premier match de Côte d'Ivoire. Et après, je vais voir tous les matchs de Ghana parce que j'étais à Ghana avant et j'aime beaucoup le Black Stars. C'est très belle avec la musique, avec la danse. Oui, je me sens très bienvenue. Et puis, il y a aussi ces Ivoiriens de la diaspora qui reviennent au pays pour ne rater aucune miette de l'ambiance CAN. Je suis venu spécialement pour suivre la CAN, en fait, voilà. Je viens de Paris. Déjà, oui, je viens pour la CAN, c'est que la première CAN, je n'étais pas né, c'était en 84, donc ça fait quand même 40 ans. Donc vraiment, c'est vraiment la raison principale pour ce pourquoi je suis là. Et après, évidemment, profiter pour visiter les villes, notamment San Pedro, où je ne suis jamais allé, quoique. Donc voilà, c'est un peu ça. Nous sommes vraiment pressés que l'ouverture commence, déjà. Et déjà, on invite tout le monde, hein? Everybody to come here, every continent. La Côte d'Ivoire, on est prêt, on attend tous la CAN, on est prêt à aller sur le terrain même nous-mêmes. Donc du coup, ça va, on est dans l'ambiance, ça va. Prévu du 13 janvier au 11 février prochain, la Coupe d'Afrique des Nations mobilise déjà des milliers de supporters venus de l'Afrique, mais aussi du reste du monde.